Voilà, alors juste ces points-là, Olivier, je te passe la parole et je te propose du coup de reparler, enfin de nous présenter Normol, nous parler de vos travaux sur ces questions-là avant qu'on échange de nouveau. On ne t'entend pas, Olivier. Il faut sans doute que tu actives ton micro. Alors, voilà. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon. Ok. Donc, je remercie Opelia d'avoir convié Normol France à s'exprimer sur cette question de la régulation qui est au cœur de notre action. Pour me présenter, juste, je voudrais rajouter que j'ai fait un travail de thèse sur l'hyperception chez les médecins généralistes concernant l'alcool, le tabac et le cannabis. J'ai eu des résultats intéressants. Et tout de suite, pour rebondir sur l'évolution des perceptions sur les drogues, d'ailleurs, drogue, terme que j'aime pas utiliser, je préfère toujours parler de produits ou de substances psychoactives. C'est un fourre-tout dans lequel on peut tout mettre. Et finalement, on n'est pas sûr qu'on parle de la même chose quand on utilise ce mot-là entre les deux interlocuteurs. Les perceptions, j'aurais envie de vous dire qu'elles ont... elles ont la peau dure. Quand il y a des clichés qui sont ancrés dans une population, ça ne disparaît pas en quelques années, ça disparaît en plusieurs décennies, et que petit à petit, avec effectivement la diffusion des connaissances, avec déjà les travaux scientifiques, mais aussi la diffusion de ces connaissances sur Internet, et puis cette réalité partagée des usagers, en tout cas pour les usagers de cannabis, hein, on sait que dans les années 80-90, il y avait quand même beaucoup moins de consommateurs, et la consommation a triplé entre les années 90 et les années 2000. Et phénomène aussi nouveau qui vient depuis 2000, c'est que la majorité des consommateurs sont des adultes et non plus des jeunes de moins de 25 ans. Donc il y a une évolution, un décalage, on le retrouve bien sur les courbes de l'OFDT. Aujourd'hui, la majorité, 80% des consommateurs sont des adultes qui ont choisi de consommer. Et effectivement, ces adultes, il faut tout faire pour réduire les risques. Donc les risques sanitaires et aussi le risque d'addiction pour que ces gens-là puissent rester dans une consommation maîtrisée, dans une maîtrise des consommations. Le dogme, il est tombé, mais il est encore présent chez une partie de la population, environ un quart de la population selon les dernières chiffres de l'OFDT que j'ai en tête. Dans mon travail de thèse, c'était 17% des médecins généralistes qui pensaient qu'un monde sans drogue était possible. Ce que je trouvais quand même assez culotté pour des médecins qui prescrivent de la drogue à longueur de journée, mais bon. Donc voilà, ces clichés, ils ont la peau dure, et donc ça explique déjà en partie que le législateur, même si on voit qu'il y a de plus en plus d'élus qui prennent position pour la régulation, ça explique qu'au niveau national, on n'est pas forcément une prise de position claire. Et voilà. Pour présenter l'association Normol France, on est fondé en 2015. On s'est fondé autour du modèle du Cannabis Social Club, qui n'était porté par plus aucune structure. Et on pensait vraiment qu'il y avait besoin d'une structure associative pour porter ce modèle du Cannabis Social Club. À l'époque, on s'appelait Chambre et Liberté. On est devenu Normol France en 2017. Et dans nos statuts, nos objectifs, ils sont triples. Éduquer la population sur le cannabis, ses usages, promouvoir la réduction des risques et toutes les pratiques qui vont permettre aux usagers de mieux consommer, et enfin fédérer la société civile autour de la régulation qui, pour Normol France, est la seule solution qui va permettre d'améliorer la situation à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan de la justice. Voilà un petit peu pour présenter la structure. Alors, j'ai trouvé l'intervention de Christian fort intéressante et le PowerPoint très bien aussi. Récemment, alors après, alors j'avais juste une critique, Christian. Tu dis que l'abstinence est certainement l'idéal de la réduction des risques. Alors là, je m'oppose vraiment formellement. Pour certaines personnes, l'usage de cannabis est nécessaire. Et au-delà des gens qui sont malades et qui ont besoin de ça en tant que médicament, la personne qui a un usage maîtrisé des consommations en se faisant deux vaporisations par semaine,
celle-là, pourquoi, pourquoi on pourrait lui dire que son comportement n'est pas un comportement tout à fait idéal pour elle. Donc non, l'abstinence n'est pas la voie royale de la réduction des risques, mais elle peut l'être dans certains cas, chez certains patients, bien évidemment. Sinon, moi, j'ai trouvé l'exposé très clair. Je voudrais dire que la position de Normal France, c'est clairement, on est clairement dans l'idée qu'effectivement les marchés se sont emparés et c'est eux qui poussent le plus en ce moment. Et la sécurisation, c'est un élément effectivement aussi intéressant à mettre en avant. Que globalement, l'objectif là, c'est pour Normal France, on sait que ça va se réguler, ça va prendre quelques années peut-être, mais par contre, ce qu'on ne voudrait pas, c'est des situations de monopole, c'est des situations où, effectivement, où il n'y aura pas de concurrence et où il y aura quelques gros industriels qui vont dominer le marché, ce qui est tout à fait l'exemple du Canada, où on a eu des retours d'usagers qui disaient que depuis que c'est légalisé, ils ont l'impression que c'est plus prohibé qu'avant, puisqu'ils avaient l'habitude d'acheter chez un tel ou chez un tel, chez des petits détaillants, et que ces détaillants sont beaucoup plus pourchassés, puisque maintenant qu'il y a un système légal, alors le système illégal n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc, faire barrage à l'industrialisation, et même quelque part, je dirais même faire barrage à la marchandisation. Bon, ça c'est très compliqué dans la société dans laquelle on vit actuellement, mais il faut quand même se rappeler que il y a plus d'un siècle, non seulement il n'y avait pas de droit des drogues, mais cet aspect de commerce des drogues était très peu présent et c'était surtout un usage rituel ou chez certains, et puis c'était aussi utilisé par les marabouts. Donc la marchandisation, c'est pas une obligation. À la base, le cannabis, c'est une plante. Et une plante, ça se cultive et ça se consomme. Il n'y a pas besoin de passer par forcément par le secteur marchand. Donc Normal France revendique non seulement l'autoproduction, le droit à l'autoproduction, mais aussi l'organisation de Cannabis Social Club, c'est-à-dire l'autoproduction en bande organisée, ce qui est un chef d'inculpation de 30 ans de prison aux assises. Bon, évidemment, c'est jamais le cas, mais la production est systématiquement requalifiée en usage et détention, et comme ça, ça se juge au correctionnel. Donc, le Cannabis Social Club, c'est vraiment le modèle par excellence qui va permettre de lutter un peu contre la marchandisation, mais Normal France ne se limite pas à ça. On pense qu'il nous faut un modèle totalement diversifié, c'est-à-dire autoproduction, Cannabis Social Club, des boutiques comme les coffee shops avec des détaillants et des règles aussi bien précises, et puis évidemment en pharmacie pour les produits qui seraient à usage médical. Donc l'idée, c'est d'avoir, pour Normal France, c'est d'avoir une régulation diversifiée, qui ne soit pas d'un seul bloc, d'un seul pan, mais qui ait plusieurs voies, parce que ça va répondre à l'ensemble de la demande. Et plus cette offre sera diversifiée, plus elle va être à même de coller à la demande. Et à ce moment-là, on peut estimer que c'est la meilleure façon pour réduire le marché noir. Alors l'avantage des Cannabis Social Club, outre le fait que ce soit des circuits courts, de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi la voie royale pour Normal France pour établir les bonnes pratiques pour répandre les bonnes pratiques au sein des usagers, la promotion de la vaporisation notamment, mais ça permet tout un tas de choses, ça permet aussi de limiter la dépendance parce qu'il y a un suivi des consommations, on discute de nos usages, donc on n'est pas tout seul dans son coin, s'il y a des consommations problématiques, elles sont plus facilement repérées au sein du groupe, donc ça c'est un petit peu la vision associative de l'expérience française qui sont des clubs très réduits. Il faut voir qu'en Espagne, les Cannabis Social Club, c'est devenu plutôt du business. Ils ont 1500 membres et quand on y rentre un peu comme dans un moulin, il faut juste faire une carte, laisser son identité, mais au final, c'est accessible à tous. Donc, c'est pour dire qu'il y a Cannabis Social Club et Cannabis Social Club. On se rend compte qu'un club qui contient plus de 100 membres, ça va être un club qui va déjà... il va plus y avoir autant d'attention auprès des usagers, plus il y a de membres. Donc, ce qui serait, même pour les Cannabis Social Club, ce serait intéressant quand même
de limiter le nombre de membres par club pour Normal France. Et puis au niveau du business, c'est-à-dire sortie des clubs et de l'autoproduction et de la pharmacie, on préconise un modèle qui soit inclusif, c'est-à-dire qui inclut le maximum d'acteurs qui veulent travailler dans le secteur. On peut imaginer par exemple que ça peut intéresser des pépiniéristes, on sait que ça intéresse beaucoup les buralistes. Bon, là-dessus, on est plutôt opposé à ce qu'il y ait du THC qui se vende dans les bureaux de tabac, mais en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs qui actuellement pourraient reconvertir une partie de leurs activités dans l'économie du cannabis. Et on pense que plus on mettra d'acteurs dans le coup, plus on arrivera à faire quelque chose de cohérent et d'adapté. Donc inclusif, intégratif aussi. C'est-à-dire intégratif, ça veut dire intégrer toutes les personnes qui ont été victimes des discriminations, des lois anti-stupéfiants. Et donc là, il y en a beaucoup qui ont un casier judiciaire. Tous ces gens-là, pour Normal, c'est très important qu'ils soient mis dans la boucle et qu'ils soient même au premier chef. Ça devrait être les premiers concernés par le marché légal. Donc il faut qu'il soit concurrentiel, qu'il n'y ait pas de monopole d'État, et si possible un système plutôt horizontal que vertical. Bien sûr, c'est intéressant sur un plan économique d'avoir un système vertical, de contrôler tout de la production à la vente au détail, mais c'est aussi la création d'empires financiers qui très vite vont se faire racheter par exemple les industries pharmaceutiques ou l'industrie du tabac ou de l'alcool. On sait hein, notamment que Sanofi a déjà repris des parts chez des grossistes canadiens. Donc il y a aujourd'hui effectivement une menace très sérieuse qui pèse avec une espèce de libéralisme, d'industrialisation de la production. Et vraiment, il y a des moyens de contrer ça. C'est des moyens, c'est des mesures de régulation politique qui vont imposer telle condition ou telle condition. Donc, on sait aujourd'hui que les politiques ont quand même plutôt tendance à écouter les gros industriels que les petits. Donc, il faut vraiment que les petits se syndiquent, que le monde associatif se fasse entendre pour obtenir une régulation qui ne soit pas sur le modèle du tabac où on a incité pendant des années les gens à consommer, bon, même si maintenant on en est revenu. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, et puis voilà, je suis prêt à répondre aux questions. Merci beaucoup Olivier, en plus ça a été en effet très illustratif, très, très pragmatique, c'est absolument des questions essentielles autour de la réflexion sur un certain nombre de modèles.